Ici Marie-Linda François pour Chorer le Seigneur. Nous sommes dans nos tout derniers moments. Alors, nous avons avec nous toute une pléiade d'acteurs et d'actrices aujourd'hui que nous voulons vous présenter, qui vont vous donner leur impression au niveau du film. Comment qu'ils vivent ce film-là au jour le jour. Bien entendu, la toute première à Montréal. Sur ce, je retourne vers Shelby Jean-Baptiste, le laissant le choix de le présenter toute seule au public. Salut Shelby. Bonjour. Donc bonjour, je me présente, Shelby Jean-Baptiste, 17 ans. Donc j'incarne le rôle de Cory dans Cory le Seigneur, donc le personnage principal. Je vais vous parler un peu de moi personnellement. Je suis une fille passionnée par le cinéma, par le théâtre et tout ce qui est en lien avec ça. Puis lorsque Jean-Marie m'a proposé de faire le projet, donc j'étais toute excitée, j'étais vraiment heureuse parce que ben oui, c'est mon premier film. Puis c'est la première fois que je fais un film haïtien en plus de ça. Donc c'est vraiment intéressant, puis je suis vraiment contente de m'être embarquée dans cette équipe. Oh, ça fait plaisir aussi, c'est tout un projet la Shelby. Ouais, ouais, je sais. Donc t'es embarquée là-dedans, c'est tout un projet. Comment tu vis ce film-là au jour le jour? Comment tu le perçois, le rôle que tu joues, le rôle de Cory? Ouais, ben le rôle de Cory, c'est pas moi. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, jouer un rôle qui est pas toi. Donc là, tu peux vraiment aller pousser dans le personnage, choisir comment tu le veux et tout. Puis même peut-être prendre tes qualités à toi, puis le mettre dans le personnage. Ou sinon juste le jouer différemment. Donc pour moi, comment je le vis, ben je le vis bien. Donc j'aime vraiment le film, j'aime toute l'histoire qui englobe le film, tout ce qui est en lien avec le film ou quoi que ce soit, j'aime vraiment ça. Puis je trouve que Jean-Marie a bien cherché, puis tout. Puis le fait que c'est un film qui a, à vrai dire, c'est une histoire vraie, donc quelque chose qui a déjà existé, c'est toujours plus intéressant. Puis les sentiments, il faut toujours aller les chercher. C'est plus profond à aller chercher, puis c'est toujours intéressant à jouer, je trouve. C'est ça, une histoire vraie, de toute façon. Et là aussi, on va retourner dans l'histoire vraie. Alors, on dirait le temps, on va parler du temps de 1940, regarde, à nos jours. C'est pas les mêmes choses. Non, quand on regarde la passion que les gens vivaient à cette époque-là, l'amour réel, l'amour fou, comment tu le vis, toi? Le rôle que tu joues de Cory, puis comparativement à ton âge, comparativement à aujourd'hui, okay, bon, c'est une bonne question. Donc, je trouve que le rôle de Cory, au niveau de l'amour, là, tu sais, je suis, ben, pas moi, mais Cory est amoureuse de Sam dans le film. Puis, tu vois que c'est un amour très... les personnes s'attachent vite, puis, tu sais, quand ils s'attachent, c'est pour la vie, là. Depuis qu'ils s'attachent pour la vie, tandis qu'aujourd'hui, c'est plus... Tu sais, tu t'attaches à une personne, mais t'es jamais, tu vas pas à demain, tu sais, c'est sur le moment là. Puis si, si ça continue, ça continue, si ça continue pas, ben c'était fait pour être comme ça. Mais avant, c'est vraiment si cette personne-là vient te parler, puis t'es intéressé par cette personne-là, ben c'est l'amour de ta vie. Donc t'es fait pour aller avec. Donc c'est vraiment deux mondes différents, puis deux époques différentes. Puis je me dis, c'est pas pour rien, peut-être que ça évolue ou quoi que ce soit, ou peut-être que j'aurais peut-être dû rester comme ça, parce que tu en as remarqué de nos jours, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup, le monde sont moins patients, puis tout. Tandis que dans ce temps-là, je trouve que c'est le fait que, tu sais, il y avait moins d'ouverture ou quoi que ce soit, moins de choses vers lesquelles ils pouvaient aller, par exemple les médias ou quoi que ce soit, les travaux, ils n'étaient pas portés à avoir des travaux facilement. Tandis que maintenant, tu vas appliquer quelque part et t'es pris, là t'as l'argent ou quoi que ce soit. Donc ils n'ont pas nécessairement en tête de penser à demain parce que... Mais c'était la passion, passion, vraiment. Puis ces gens-là, mais c'est ce qui arrive à Cory. Parce que quand Cory est tombée en amour, là, parce que Cory est très dur, Cory voulait pas tomber en amour. Mais quand t'es bafouée aussi dans cet amour-là. Là, à ce moment-là, c'est plus dur exactement t'en sortir ou quoi que ce soit. Ou quand la personne. Parce que Cory, je pense pas, c'est un personnage très, comme vous l'avez dit, très dur. Tu sais, elle voulait pas s'ouvrir ou quoi que ce soit, elle était très religieuse. Puis quand elle a. Ben, quand Sam l'a séduit et tout, puis elle a embarqué dans le jeu. Là, à ce moment-là, elle était sûre que ça allait être pour la vie, puis que ça allait être le bon gars et tout. Elle avait prié sur ça et tout. Puis, qu'est-ce que Sam lui a fait? Elle n'a pas pris parce qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça a été un choc. Tandis que si on peut le comparer à aujourd'hui, quelqu'un qui te trompe ou quoi que ce soit, ou qui fait quelque chose de mal, c'est quasiment du normal. On le voit normalement. Exactement, t'sais. Exactement. C'est pour ça que c'est toute une belle histoire. Ça relate les temps passés, puis on ramène ça de nos jours. Ouais. Et on aimerait que ce soit de même, vraiment, quand on regarde. C'est pour ça, comme c'est la passion que Jean-Marie a développée à travers ce film-là, de travailler à dure haleine pour pouvoir nous amener dans cette réalité-là.
Et je pense, comme toi, quand tu joues ton rôle, tu incarnes le rôle là-dedans. C'est comme la passion que tu as, l'amour que tu as développé à travers ce rôle-là. Et ça aussi, un dessin animé, ça va aller chercher le monde. C'est ça, exactement. Ça va aller chercher. En parlant de l'animation, donc pour moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est le premier film haïtien qui va sortir en animation. Donc, il faut toujours quelqu'un qui casse la glace, là. Donc, à ce moment-là, je suis contente que Jean-Marie ait trouvé cette bonne idée. Non, mais c'est une idée géniale qu'on peut dire. Ça arrive pas souvent à Montréal. Et ben, c'est toute une première. Ouais. Et en plus de ça, dans la tête des Haïtiens, ça arrive pas souvent de faire des affaires de même. Alors, quand on arrive à aller au-delà de qu'est-ce que on est habitué, le monde cinématographique nous offre. Alors, c'est génial et on peut être dire, les deux yeux fermés, on est fiers que ce soit un Haïtien qui a mis ce projet-là sur place. Ouais. On est fiers de cela. Et pour poursuivre dans le même rôle de Cory, je sais que le rôle avance, puis les jours avancent, puis t'as hâte et comment tu mets les gens qui approchent là pour Cory? Ça fait depuis, je pense, ça va faire un an bientôt là, qu'on est en train de tourner puis tout. J'ai hâte de voir le résultat. Là, on s'entend, là, après plusieurs mois que tu te donnes à fond là, pour un rôle et tout, t'as hâte de voir le résultat. Donc, j'ai vu des petites parties et tout. Des petites séquences. Mais c'est ça, des petites séquences. Donc, on s'entend qu'après un moment, là, t'es toujours plus intéressé à voir le tout. Exactement. Donc, exactement. Ça, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler et tout. Donc, il m'a montré des petits passages et tout, comme vous avez dit. Mais juste voir le film avec tous les effets, le montage, tout ça, j'ai hâte de voir. Exactement, les vues. C'est ça, les vues. Oh, Seigneur, de ce temps-là, mon Dieu, quand on regarde les moulets, les coques, les affaires de même, c'est un monde imaginaire. Ouais, là. C'est un monde imaginaire. Ouais. Et puis on peut dire que c'est comme un conte de fées là quand on regarde le déroulement. Bien avant son mariage, Cory a bien voulu assurer ses arrières. C'est ainsi qu'il avait investi dans le lagon du moulin à eau et fait agrandir un champ de riz. Après de longues années, l'argent qu'elle avait économisé était enfin prêt. Grâce à son neveu, le père Lamour, qui lui aussi veillait sur les biens de sa jeune tante. Quasiment. Alors, on sait déjà. Alors, je te laisse le soin d'annoncer au public la grande première qui s'en vient là. Donc, tout le monde, c'est censé se dérouler le 13 août. 2011 prochain. Donc, on vous demande de venir en grand nombre à la première du film Cory le Seigneur. Vous allez avoir la chance de me voir, de voir les autres acteurs, puis de voir à quel point la communauté haïtienne avance. Et c'est ça. Donc, je vous conseille de venir. Au contraire, je vous force à venir voir ce film pour nous encourager, pour encourager la communauté. Je suis Cory et je veux m'assurer que tout se passe bien dans le village. Tous ceux qui ne sont pas en règle, rangez-vous, surveillez-vous, car je suis présente et je vais tout au nom de Cory.